pour éviter que s'installe l'anarchie, préjudiciable à l'objectif de changement démocratique puissamment exprimé par notre peuple, l'armée nationale, à la demande pressante des forces vives de la nation, a pris ses responsabilités et décidé d'amorcer un processus de transition démocratique. Cette transition que notre peuple et ses amis souhaitent la plus courte possible sera encadrée par un organe de transition reflétant les diverses sensibilités socio-politiques de notre nation. En attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis du Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans ces dures épreuves. Les engagements internationaux du Burkina Faso seront tenus. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues.